Salut tout le monde, on se retrouve sur Clash of Clans pour la présentation d'une composition de troupes de l'événement actuel qui est air conditionné. Donc j'ai fini. Alors, comme les anciens tutos. Pour aller vite, donc je vous conseille de prendre un de chaque et ensuite vous tentez de faire au moins une étoile avec les jeux de vie en extérieur. Je vous montrerai quelques gameplays rapides. La vidéo ne sera pas longue parce que j'ai une co pourrie, du coup c'est très long de mettre en ligne et ça chauffe mon téléphone et c'est pas bon. Donc j'utilise ces compos spécial DV13, mais après je sais pas quand on débloque déjà les 280, je pense déjà TH12 c'est possible. Donc je suis débrouillé pour au moins, j'ai essayé des 3 étoiles avec les AQH, même parfois raté la dernière attaque, j'ai mis ma reine n'importe comment, enfin mon doigt a glissé et ma reine, enfin voilà. Donc voilà, je monte des gameplays rapides, pris au hasard, rapide. Je tente un petit AQH avec un bébé drague de chaque côté, pas tout le temps. Comme ça les ballons vont directement au centre, je mets mon gardien. Là j'ai complètement oublié. Comme quoi même en fail, ça passe quand même. Mais à part le fail de la reine, je pense que la dernière attaque, j'ai plutôt bien réussi. Voilà, deux drags. En fait j'ai mis deux drags pour mettre la reine ici. Et faire une sorte de petit AQH pour que les ballons aillent directement au centre. Sauf que j'avais pas vu que ma reine était là. Du coup j'ai mis les guerriers un peu trop tard. Du coup ça sert à rien. Du coup j'essaie de gratter avec l'électro dragon et dragon. Plus la caserne de siège. Ensuite les ballons, ensuite le gardien. Et ensuite ça gratte, ça gratte. Dès que ça fait une étoile, c'est réussi. Et avec cette compo, vous êtes sûr d'avoir fait un de chaque. D'ailleurs, j'ai un exemple de ce que ça, d'un des avantages que ça offre de faire tout en même temps. Si vous n'avez pas toujours compris, enfin, n'avez toujours pas compris, mais bon, voilà, c'est juste parce que j'ai tourné que voilà. Donc voilà que ça offre. Alors, je vais couper le son. Non, je vais couper le son. Parce que j'étais en extérieur, donc voilà. Donc, tout 5 d'un coup. Là, je fais une petite attaque. Donc là, je montre bien que j'ai 5 attaques. Et ensuite, je fais une petite attaque. Et là, justement, j'ai pas vu quand ça fait la coupure. Mais on voit bien que ça leur permet de faire tout en même temps. Comme ça, vous faites une attaque, c'est bouclé, vous touchez tous les bonus et ensuite c'est fini. Vous pouvez passer à du full gobelin comme ce que je vais faire pour finir le pass. Ou vos compos normal, mais vous touchez déjà, j'ai calculé, 105 gemmes. 105 gemmes et à peu près 1400 XP, plus plein de bonus pour 8 attaques. Bon, franchement, vous attaquez des villages à l'extérieur. Donc par exemple ici, village, donc déjà TH12, donc plutôt simple pour un TH13. Faut toujours aller chercher l'HDV, comme ça vous êtes
Même si ça rate, vous êtes assuré que ça fait au moins une étoile et donc l'attaque est réussie. Voilà, je choisis bien mes adversaires, mais après ça passe. Et puis une, deux étoiles, c'est juste pour dire avoir un bonus. Une étoile et un bonus. Si vous voulez le bonus, enfin, c'est assez logique. Donc, vous savez pas encore pour toucher ce petit bonus de butin. En fait, ça rajoute 30% de votre attaque. Par exemple, mon 61% plus 30%, je touche 91% de du butin max. Alors que si j'ai fait 70%, je touche 100% du butin max. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Je sais pas quand vous reprenez, moi j'ai déjà repris. Et je suis rentré en IUT. Je sais que ça change pas grand chose. Mais je serai moins présent. Il y aura peut-être une vidéo tous les un mois et demi, 2 mois. Ou quelques plein de vidéos le même mois, mais parce que j'ai hâte de sortir. Je parle de mes vidéos pêche que j'ai fait une annonce sur Twitter. Non, sur Instagram. Twitter, j'ai abandonné. Instagram. Je suis plus à peu près actif au moins une fois par semaine. Ouais, 2-3 fois par semaine, je suis actif. Pour toutes les annonces. Et tous les problèmes, toutes les vidéos de présentation, tous les projets qui arrivent. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est déjà fait, mais je pense que cette petite présentation est assez redondante. Et activez la petite cloche, parce que comme cette vidéo, comme elle est obsolète dans un jour, 11 heures, je vous conseille vivement d'activer la cloche. Si vous comptez faire l'événement, que vous êtes en retard, que vous savez pas comment la faire. Moi, je me suis débrouillé au mieux, au final j'ai quand même réussi et j'ai touché plein de bonus. Donc vous avez le tuto, vous avez toutes les techniques, des conseils. Et si besoin, n'hésitez pas à me poser des questions sur des... sur... Je vais poster une image de cette vidéo sur Instagram. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin sur la publication que je vais apporter. Comme je pense que tout le monde a Instagram. Voilà, n'hésitez pas. En fait, je pense qu'en ce moment, je me connecte plus une fois par jour sur Instagram. Donc voilà. Sur ce, à bientôt. C'était pas prévu que ça fasse 10 minutes. Je pense que ça va être longtemps à être en ligne. Mais bon, tant pis. Eh bien, à bientôt.